Eh bien salut à tous amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part j'ai la patate. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash of Clans. Ça va pas être la vidéo, l'épisode 15, ça va être une vidéo assez particulière. Je vais expliquer un peu les attaques, comment on peut attaquer, comment on peut farmer certaines troupes pour que ça soit mieux. Enfin, des troupes farm, des troupes défense, comment bien attaquer en GDC. Et plein de petites choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, dites dans les commentaires, j'en ferai plus souvent. Donc aujourd'hui ça va consister, comment je vais expliquer la vidéo, je vais vous montrer quelques techniques d'attaque, quelques techniques de défense, quelques techniques en GDC, et expliquer un peu le changement du clan. Voilà, donc pour cette vidéo ça va être assez simple. Donc je vais vite fait... Alors deux petites secondes, je vais vite fait baisser le volume du jeu, peut-être bugger un tout petit peu. Alors une petite seconde, tac 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 tac. Voilà. Voilà. Donc on va commencer, ah il y a un petit bug, voilà. On va commencer à dire un petit coucou pour ceux qui veulent apprécier la personne, parce que là je fais ça en improvisé. Donc dites un petit coucou à YouTube. Donc là c'est une vidéo improvisée. J'oblige personne à venir, pour ceux qui sont là, je leur dis un petit coucou, comme ça c'est réglé. Donc là, ça sera pas l'épisode 15, ça sera une vidéo spéciale. Il y aura la série sur notre aventure suivie, une série sur les techniques, les différents trucs comme ça. Mais au passage, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ramasser déjà tout ça. Tac. Hop. Ensuite je vais ramasser vite fait ce petit truc. Et je vais hop réarmer tout ça. Voilà. Donc j'ai reçu ma lettre. Tac 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 prisique. Salut à tous ceux. Hein, ça se montre tout ça, c'est le clan. Et là, comme vous pouvez voir, on prépare une petite GDC. Et maintenant j'ai dit à tous ceux qui sont dans la GDC de mettre. De remplir les. Comment ça s'appelle? Les clans. Voilà, faut remplir les clans. Le clan, pardon. Et tout le monde est complet, full dragon, quelques petits trucs comme ça. Et on est au taquet. Donc là on va tomber, je pense qu'on est des balèzes. Je pense qu'on va se faire, on verra comment ça se passe. Petit coucou YouTube, s'il te plaît, coucou YouTube, coucou YouTube, abonnez-vous, vous le regretterez pas. Merci à toi Power Dream, abonnez-vous à sa chaîne, c'est l'un des meilleurs youtubeurs au monde. Non, je crois pas Lélé, mais bon, merci à toi quand même du soutien. Loveman, bonjour YouTube. Bah bonjour à toi Loveman, et tout le monde te dit bonjour, tu te dis bonjour à toi-même, tout est nickel, tout va bien. Donc de toute façon les épisodes vont pas durer 107 ans, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vite fait améliorer quelques murs au passage, vu que j'ai un peu d'or. Tac. Hop, voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça on avance un peu au passage. Coucou YouTube, abonnez-vous à cette chaîne sinon je vous tue. Merci à toi géant. J'ai demandé archer ou sorcier, pas des géants. Oui s'il vous plaît les gars, pour ce... Attends. SVP, respectez... On va dire en direct, comme ça peut-être que ça va faire comprendre les gens. S'il vous plaît respectez les demandes... Demande des joueurs. C'est écrit dans le... Règlement. Voilà. Hop. Donc on va demander aussi au passage des petites troupes. On va demander des géants au passage. Parce que déjà je vous ai expliqué. Alors déjà quand vous voulez faire de l'attaque farm. Surtout qu'en fait là si vous jouez les attaques farm. Les trophées oubliez. Franchement les trophées vous oubliez tout ça. Et en fait le principe ça va être très simple. Il vous suffit. Madame je vais y arriver. De faire 20 géants pour ceux qui ont la place. Sinon vous en faites 10. Pour les petits, enfin pour les petits niveaux, vous en faites 10, 11, et vous faites 10 casse-briques, voilà. Donc ce que là je peux pas vous le faire parce que, bon, pire je veux le faire, vous en faites 10, ensuite, non, c'est pas comme ça que je voulais faire, attends, excusez-moi. Donc, ouais, vous faites 10 géants, on va montrer comme ça parce que je peux pas le faire, 10 géants. Ensuite vous montrez, vous faites 10 casse-briques, pour ceux qui ont la place, sinon c'est 20 géants à la base et 10 casse-briques. Ensuite vous mettez à peu près 40 gobelins. Pour les ressources, parce qu'ils focus directement les ressources. Donc ensuite, une fois que vous avez fait 40 gobelins, 20 géants et, 10 casse-briques, vous passez directement, vous tapez, ben, donc là vous êtes, moi je suis sur l'ordinateur, je peux pas le faire, vous appuyez sur les deux carrément, vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà comment vous tapez sur les deux en même temps, avec l'iPad ou le téléphone, vous faites tac 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 jusqu'à temps que vous arrivez à 50. Mais bon, là pour l'instant, j'en suis, je sais pas, il va falloir que je finisse peut-être les troupes. 122, 10, 6, 42, voilà. Donc là je vais refaire
6, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, voilà. Tac, tac, voilà. Donc dans 5 minutes, donc on va utiliser les gemmes, c'est pas grave. Je vais vous montrer une petite attaque. Alors, abonnez-vous, respectez les demandes, abonnez-vous. Qui a dragon de bouquet donné Prisix, t'as le swag du poussin si tu savais. Du mardi, merci. Merci de votre soutien, les amis. Tac. Donc, ce qu'on va faire, là, on va, vu qu'on a préparé l'attaque, donc là, ça va être une attaque concentrée sur le farm. Vous jouez que les ressources. Donc, si vous perdez, c'est pas très grave. Le but du jeu, le but de l'attaque, pardon, ça va être de trouver... On va faire ça tout de suite. Le but de l'attaque, ça va être de trouver... trouver un endroit. Moi, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Où il y a max de ressources. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a les mines juste à côté. Les trésors, ils sont là. Enfin, les trésors. Qu'est-ce que je dis, moi? Ouh là là. Bon, là, c'est pas... C'est pas... Il y a pas un trop gros butin. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher un petit peu. Suivant. Ok. Donc là, ouais, on peut peut-être faire ça un petit peu près, on peut faire ça correct, je sais pas. 348 d'or. Ce qu'on va faire, ouais, on va faire ça bien. Donc on va faire ça bien, on va niquer ça, on va essayer de faire ça bien. Donc là, je peux... là le but, ça va pas être de gagner, là, ça va être juste de récolter le maximum de ressources, en fait. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez envoyer votre sort. Voilà, ensuite, une fois que vous avez envoyé votre sort, vous envoyez vos géants. Ensuite vous envoyez vos casse-briques juste derrière. Ensuite vous envoyez vos barbares pour qu'ils niquent à peu près tout ce qui est autour. On renvoie un peu de géants. On va envoyer un peu clan. Et là on envoie les gobelins. Donc en masse. Comme ceci. Donc là ça va être de récupérer le maximum de ressources en fait. Voilà. Les gobelins ils sont bien, voilà. Hop, vous voyez comment ça monte vite. Et là vous jouez pas du tout les trophées les gars. Vous jouez pas du tout les trophées. Bon, les gobelins, je crois que j'en ai pas fait assez de gobelins en fait. Bon là je visais un peu gros quand même. Mais bon voilà, vous voyez comment c'est monté vite d'un coup. J'avais 5000 d'or. J'avais 5000 d'or quand même les gars. 5000 d'or et je suis monté à 205000 d'or. C'est pas... Et ça vous prend un peu de ressources pour fabriquer toutes ces troupes en fait. J'espère que vous m'entendez bien parce que le son il est un peu fort quand même. Donc voilà, là j'ai perdu. Franchement, bon, j'ai même peut-être gagné, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai perdu de toute façon. Ouais, j'ai perdu. Bon, c'est pas le but. C'est pas le but de gagner. Voilà, regardez, 200 d'or les gars. J'ai gagné 200 d'or. Franchement, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est vachement parfait. Bon, je vais t'accepter, toi. Le blédard. Arrêtez de réclamer, sinon il ne montrera pas. Là, les gars, ça va pas être une vidéo que je vais montrer votre village, les gars. Ça va être... c'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, Prisix, t'as nié de quand elle sort ta vidéo. Bon, je vais rien dire du tout, parce que ça va me gaver un petit peu, parce que les gars, vous verrez, elle sortira quand elle sortira. Donc, ce qu'on va faire. Là, j'ai fait mon attaque farm. Donc, je répète... Parce que j'en repréparé une au pire. Vous faites, donc là je suis petit, je vais faire 10 géants. Voilà, j'ai fait mes 10 géants. Ensuite, ah non, mon pire, ce qu'on va faire pour aller plus vite, c'est que je vais faire 5 géants là, 5 casse-briques là, voilà, 5 géants là, 5 casse-briques ici, voilà, comme ceci. Et là, on va mettre les gobelin. Donc là, gobelin, on va en faire... on va faire les 50. Non, on va essayer de faire les 50. On va faire les 50. Tac, comme ça... l'usine de sort, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça sert strictement à rien. Parce que là, dans cette attaque, en fait, vous avez même pas besoin d'utiliser les sorts. Parce que c'est pas... La question, c'est même pas de gagner, c'est de... C'est de... Faire en sorte de récolter le maximum de... Ben là je vais y arriver. De ressources. Donc comme vous pouvez voir mon tête de ville est dehors. Donc les trophées on s'en tape. Mes ressources sont à l'intérieur. Donc elles sont bien protégées par mes défenses. Donc voilà. Là cette base pour les bas level elle est top top. Donc vous faites ça comme il faut.
Tout ira bien, les gars. Vous pourrez avancer en masse. Donc, on va faire ça comme ça, en attendant que ça se ferme un peu Prusik. Pourquoi je suis pas aîné? Parce que tu n'es pas aîné, mec, c'est comme ça. C'est moi qui choisis depuis que c'est passé, maintenant ça va être marché comme ça va marcher comme ça. Donc bref, c'est pas la question. Donc maintenant je vais vous montrer deux ou trois petites astuces pour les GDC. Donc là c'est notre clan. Donc ce qu'on va faire, par exemple, vous êtes level, moi avec mon petit compte, je vais pas m'amuser à attaquer le niveau 10. Donc je vais descendre tout en bas par exemple déjà, premièrement. Pour les petits comptes, pour ceux qui sont dans le clan, je précise, pour ceux qui sont dans le clan, les gros comptes, n'attaquez surtout pas les petits clans là. Vous attaquez les cibles. De toute façon, je pense d'ici très peu de temps, c'est moi qui va vous dire vous attaquez qui en fait. Ça va être plus simple parce que sinon on va jamais y arriver. Les petits clans, vous les laissez pour les petits clans, les gars, s'il vous plaît. C'est franchement, sinon on va toujours perdre. Déjà, ça c'est une base à savoir. Donc ensuite, moi je suis. Donc ça, je sais pas si c'est fait pour moi. Je pense pas que c'est fait trop pour moi. Donc voilà, ça c'est pas trop pour moi. Enfin si, je pense que c'est plutôt pour moi ça déjà. Parce que niveau troupes, mes troupes sont pas assez haut level pour pouvoir attaquer encore au-dessus, je pense. Donc là déjà, quand vous commencez dans une GDC, là premièrement, n'attaquez surtout pas les ressources. Ne jouez surtout pas les ressources. Jouez surtout les étoiles. Donc ça veut dire, jouez les étoiles. Là, vous avez l'HDV qui est ici. Là, vous avez un petit enco, là, à côté. J'aurais dû mettre ma souris, je sais pas, parce que vous voyez pas ma souris, je pense. La prochaine fois, je mettrai ma souris, comme ça, vous pourrez mieux voir. Là, vous voyez un petit trou. Merde, hop, on va refaire ça. Hop, là, vous voyez un petit trou. Donc là, vous lancez, je pense, vos géants. Là, par exemple, c'est un exemple que je vous dis. Vous lancez vos géants. Et, en GDC, ne jouez surtout pas les gobelins. Vous faites le maximum, les plus grosses troupes que vous avez, soit des sorciers, soit des dragons, soit des P.K., des guérisseuses. En sort, si vous avez, vous utilisez deux sorts de soins, avec un sort de rage. Et c'est quasiment gagné. Franchement, c'est quasiment gagné. Vous faites, je vais vous montrer ça. Donc là, jouez surtout pas les ressources déjà, jouez surtout les étoiles. Donc là, vous lancez quelques géants ici, comme je vous ai dit, derrière le réserve d'or. Ensuite, par exemple, c'est un exemple. Hein. Regardez bien la map avant de lancer l'attaque. Regardez bien comment vous pouvez jouer. Et là, vous lancez pareil, vous lancez quelques géants ici, avec derrière 2-3 casse-briques. Là, pareil, 2-3 casse-briques. Et là, vous lancez le reste des géants avec 2-3 casse-briques. Et hop, vous lancez tous vos sorciers, vos pokers, vos dragons, et c'est quasiment gagné. Franchement, c'est quasiment gagné. Et après, au centre, vu qu'ils vont tous se rejoindre, lui, il va se rejoindre. Et de ce côté-là, ils vont se rejoindre. Et ceux qui sont de ce côté-là, ils vont se rejoindre au centre. Et là, vous lancez votre sort de soin, votre sort de rage en même temps. En même temps. Et votre dernier sort de soin, vous le gardez à peu près pour la fin quand ça commence à être tendu. Si vous avez pas. Et non. Vous utilisez tous vos troupes. Basta. Vous utilisez tous vos troupes. Même si c'est. Vous en avez large. Utilisez tout. Voilà. Donc j'espère. Après, quand j'aurai plus de techniques d'attaque, de toute façon, c'est simple. Je vais vous montrer ça. Ça va être vite réglé. Rentrez, enfin rentrez. Une fois que vous faites les attaques, je peux pas vous montrer parce que quand vous attaquez, vous faites déjà en priorité, toujours en priorité, au moins 6-7 géants. 6-7 géants avec 10 casse-briques. Vous faites 10 casse-briques, 7 géants, et le reste, surtout pas de gobelins. Non, hop, ça j'enlève, surtout pas de gobelins. Vous faites un peu de barbares si vous voulez jouer. Après, c'est comme vous voulez. Mais surtout, jouez les sorciers. Sorciers, sorciers, sorciers. Une petite guérisseuse au passage si vous pouvez. Et dragon si il y en a qui vous en donne. Des P.K. si vous avez. Sinon sorcier, 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 géant. Sorcier, géant, casse-brique. Déjà. Ok les gars. Et une petite guérisseuse. Jouez comme ça. Et vous m'en direz des nouvelles les gars, s'il vous plaît. Vous m'en direz franchement des nouvelles. Donc là, ça je vais l'enlever vite fait. Oh là. Hop, merci. Je m'en tape. Le blé d'art a quitté, bon c'est pas très grave, on te l'a dit alors arrête de demander. Continue tes vidéos, Pinox, merci à toi Pinox. Avec combien l'instant de... Ok. Donc bah là je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode, on va refaire une attaque. On va essayer de refaire une petite attaque farm. Qu'est-ce que vous en dites les gars? J'en suis à combien là? 120. Donc là on va faire 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Bon, non, on va faire le fou sorcier, on va faire que les sorciers, on va en faire 10, normalement c'est bon, voilà, 10. Hop. Le clan.
Pas besoin de troupes de clan, je pense. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Bon, tu vas te charger l'application, ça va un peu. On va attaquer. On va attaquer. Là, c'était une petite attaque. C'était une petite. Là, la vidéo, ça va être surtout comment bien farmer en fait sur Clash of Clans. Voilà. Voici les troupes de base. Voilà. Ça va être les troupes de base. Après, quand vous avez votre camp, votre. Non, je vais y arriver à parler aujourd'hui. Putain de merde. Là, vous avez votre camp militaire. Quand votre camp militaire est un peu plus gros, vous augmentez vos troupes. Donc là, je peux pas trop faire de barbares parce que là-bas, il y a un peu de barbares. Donc là, non, on va se faire suivre avant que ça commence. Donc là, 54. Non, c'est trop un peu, c'est un peu tendu là. Ça va être un petit peu trop tendu pour ça. On va essayer de chercher un peu gros. Donc là, comment vous jouez? Donc là, il y a rien du tout. Là, vous cherchez surtout pas à jouer les trophées. Les gars, surtout pas à chercher à jouer les trophées. Là, même si vous prenez 15 minutes à chercher, c'est pas très grave. Franchement, vous avez le temps. Ça vous coûte pas cher en ressources, 170 pièces d'or. Franchement, vous avez un peu de temps. Donc là, 3000, on s'en tape. 40 000. Vous voyez là, les ressources sont dehors. Donc on est plutôt pas mal. L'élixir, tout ça. Donc là, c'est comment je vais jouer. Regardez bien comment je vais jouer. Avant, j'ai 20 secondes pour regarder la map quand même. J'ai un petit peu 20 secondes. Donc là, j'ai ma tour de sorcier qui est là, avec la tour d'archer. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5, ici. D'accord, ok, donc là j'ai fait le con. Là j'avoue que j'ai fait le con. Hop. Voilà, j'étais un peu concentré, désolé. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plus de ressources quand même. Les gobelins, ils sont en train de tout dépouiller. Bon. Je me suis failli au début en fait, avec les gens, franchement, je me suis failli au début. Mais bon, c'est pas très grave. Je me suis fait quand même fait du blé. Regardez. Ah, j'aurais peut-être pu gagner, hein. Franchement, j'aurais pu gagner. Encore 1%, j'aurais gagné. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, bon, là, c'était pas gros. Je me suis surtout failli au début. Mais bon, vous avez compris à peu près le principe. Si ce genre de vidéo vous plaît, les gars, dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aura un bon retour. Donc, on verra. Là, c'était un petit test que je fais. J'essaie de vous trouver quelques petites astuces d'attaque. On va essayer de faire des attaques de farm, des attaques de défense. Les troupes qu'il faut pour les défenses dans les... Quand vous voulez défendre un clan, par exemple, une dernière astuce avant qu'on arrête la vidéo. Quand vous voulez défendre votre clan pendant la nuit, vous demandez juste un dragon. Soit un dragon, ou soit quelques sorciers. Voilà, c'est tout, basta, pas de barbares, pas de sorciers. Vous marquez dans le clan, vous tapez votre truc, défense de nuit, de petits points, sorcier ou dragon. Voilà, basta. Et là, je vais faire en sorte que les gens respectent les demandes, parce que sinon ça sera le kick immédiat dans le clan. Donc les gens, s'il vous plaît, pour ceux qui sont dans le clan, pour ceux qui viennent, pour ceux qui vont venir, respectez les demandes des joueurs. Et merci de lire le règlement quand vous arrivez, voilà. Donc le règlement est simple. Attends, je vais ramasser tout ça. Le règlement est très simple. Il vous suffit juste... Voilà, règlement, 400 dons obligatoires par semaine. 400 dons, c'est rien du tout. Pas... En une semaine, vous avez 400 dons à faire. Attaque en GDC obligatoire si vous êtes dedans. Si vous êtes dedans que vous attaquez pas, on vous met plus en GDC, les gars. Merci de prévenir si vous pouvez pas rester. Si vous pouvez pas rester. Ok, bah là, déjà, je me suis fait. Si vous pouvez pas. J'aurais dû mettre un point, en fait. Voilà. Après, respect envers les autres et pas d'insultes, s'il vous plaît, les gars. Toute personne respectant pas le règlement seront kick. Donc voilà, donc vous avez une semaine pour faire 400 dons, au bout de 400 dons, toutes les semaines il y aura un tri de fait dans le clan, voilà. Demande des joueurs, respectez les demandes des joueurs, c'est marqué. J'ai oublié un S, bon c'est pas grave, j'essaie de mettre le moins d'aide possible parce qu'après ça rentre pas. Voilà. Et là, tri toutes les semaines, voilà, il y aura un tri toutes les semaines dans le clan. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on s'est amélioré, j'ai fait un tri, c'est beaucoup mieux comme ça, ça nous permet à nous, pour ceux qui arrivent dans le clan, d'évoluer. Ça, excusez-moi. Je vous reprends, bon, ça c'est mon téléphone, excusez-moi pour le petit truc. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est mon autre clan. On est bientôt full or, il y a encore quelques argent, mais bon... Oulala, lui, Marc, t'as reçu beaucoup quand même, hein. 1188 troupes reçues. Toi, franchement, mec, là, tu mérites un peu le kick quand même, hein.
Là, ça, c'est négatif, mec. Tu peux pas. T'as donné 481 troupes, parce que il faut donner 400 troupes. Mais t'as reçu quand même 1188 troupes. Oh, première fois que je vois ça, mec. Mais bon. Allez, on laisse passer pour cette fois. Donc voilà, les gars. Donc là, on va essayer de monter tous en or. Même moi, avec mon con, je vais essayer de faire le maximum. Mais après, bah. Maintenant, pour monter, les gars, ne me demandez plus de baisser les trophées. Je ne baisse plus les trophées. Maintenant, c'est modifié. C'est 1400 trophées requis. 1400 trophées requis pour rentrer dans le clan, les amis. J'espère que vous m'avez bien compris. C'est 1400 trophées pour pouvoir rentrer. Et plus ça va aller, plus on va augmenter les trophées. Donc, à vous de voir si vous voulez rentrer dans le clan. Donc, montez vos trophées, montez-vous en or. Ayez les bonnes troupes, parce que sinon, on n'avancera jamais. Je vais pas me taper des bronzes, tout des argent, toute ma vie. C'est pas contre vous, les gars. Mais le clan, faut bien qu'il évolue un jour. Voilà. Donc, sur ce, les amis. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook encore une fois. Mettez un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu, ce petit concept de... Je ferai plus de vidéos. Je ferai plus de vidéos de ce genre sur Clash of Clans, des attaques, comment bien attaquer certaines troupes, des foules. J'essaierai de faire des foules barbares, des foules gobelins, des foules dragons, plein de genres de trucs comme ça. J'essaierai de faire un peu plus souvent des vidéos sur Clash of Clans. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit dislike si vous n'avez pas aimé. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Peace et à la prochaine.